Yo, on était ici. Et on devait aller, je ne sais plus où. On devait aller là. Et c'est là qu'on va aller. Si je retrouve mon chemin. C'est de l'autre côté. L'oiseau. Oui, on va se TP, hein. Ici, normalement, c'est ici. Et ça caille, c'est mort, hein, pour dire. J'ai froid. Alors. Je prétends pas pouvoir faire mieux que la perfection, mais je crois pouvoir améliorer ta lance. Ça, je peux le vendre, ça? Un besoin spécial? Pas vraiment. Amulette, c'est vrai qu'il y avait ça, et oui. Et un trophée. Comme neuve. Et la lance Dropnir, oui. Je prétends pas pouvoir améliorer le travail de la dame, mais... Il est au max celui-là. Celui-là non. Non plus. Le boubou non plus. Quelque chose pour le thé? Reviens si tu veux d'autres trucs. Bien sûr. L'amulette! Et c'est là qu'on perd du temps à chaque fois parce que c'est des stats. Là, il faudrait que je mette 3-3-3 pour avoir un bonus à chaque fois. Mais vu que je suis débile, eh ben jamais, jamais des 3-3-3. Là, la logique, il faudrait que je mette un truc comme ça, un bleu. Ou un. Voilà. Renouvellement, non. Ça peut être bien, ça, par exemple. En fait, ça dépend ton ta façon de jouer. Ça dépend. Parce que ça, faut que ce soit raccord avec tes compétences. Si tu veux mettre ça, toi, un truc comme ça en bas, là. Il y a tellement de trucs. Ça c'est bien, mais il faut de la vitalité. Voilà. En fait, ton truc, c'est par rapport à ça. Hein. Mais là, je sais pas combien de trucs. Toi, ça sert à rien de mettre ça vu que le bonus m'intéresse pas, par exemple. Ça peut être intéressant, mais on n'en a pas trois. La vitalité. Ça peut être bien. Donc on va les laisser ces trois-là. Ça, c'est la défense. Augmente les dégâts au corps à corps. Ça peut être bien, les mettre les trois. Mais à la place de quoi?
Ça aussi, c'est. Augmente tes dégâts d'étourdissement. Ça aussi, ça peut être bien. Par rapport à sa chance, mais j'ai pas beaucoup de chance. Donc, est-ce que ça m'est utile? Non. Donc non. Toi, c'est bien, mais non. Mais non, mais non, mais non. Puis là, j'ai mis quoi? La def. Les pas de def. Pouvoir unique. Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités de vos armes. Capacité à distance. C'est là qu'on va se casser la tête. On a un bonus, tu vois. Donc il faudrait que je retire ces trois là. La def, vitalité, défense, chance. Et force, mais toi, mais. Après t'es pas obligé, hein, tu peux en gagner en mettre deux, quoi. Mais c'est mieux. Tu vas mettre ces trois là à la place. Défense, défense vitalité, défense renouvellement. T'as moins de force, mais t'as plus de def. Ouais. Augmente les dégâts d'étourdissement. Mais ça, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Bonjour. Parce que défense 9, vitalité 4. Ça, on pourrait le remplacer par celui-là. Défense 12. Bof, hein. Si la défense 10, tu perds, mais t'as un bonus en plus. Et force 12, ouais. Ouais, non, laisse tomber. Donc, si je remplace, c'est par ça. Hein. Ou par ça. De la force. Ah mais les dégâts au corps à corps. Et bah tout ce qui est au cac quoi. Avec les haches, tout ça. C'est plus mon niveau quoi. C'est plus moi qui joue comme ça quoi. Ouais, tu perds 12 de force. Tu perds un tout petit peu de défense si je mets ça. Ça fait beaucoup. Allez, on peut mettre. Ouais. On va tester.
On va retirer les trois bleus. Donc c'est les trois bleus. Attends. On va remettre ça au propre. Parce que je déteste ça. Bonjour. Voilà. Puis si jamais on cancel, on annulera, voilà. On fait moins de force, on a plus de def, et puis on a des trucs. Je pense que c'est un peu plus cohérent. Et ça fait déjà 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes, putain, que je joue. Ça prend trop de temps. Il faut qu'on trouve la zone. C'est peut-être là. C'est vrai que j'ai des points d'XP. Ah oui, j'en ai large. On met tout. Voilà, comme ça Atreus il est au max pour le moment. Là j'ai combien? Oh, j'ai 68 000 XP, non mais c'est une blague. Vas-y, on met tout. On achète tout. On réfléchit pas. Voilà, puis ça ce sera la surprise. Voilà. Voilà, merci. Et ça? Ok, voilà. Comme ça, on est déjà bien, on est large en XP. Il restera quelques trucs, niveau 6 et niveau 7. Voilà. Atreus, il est bon. On va voir si on peut équiper des trucs. On améliore notre truc. Donc lui, mais elle est bien. Ça, c'était bien, mais bon. Tu perds du temps, en fait, avec ça. Les lames. Ça, elle est au max. Cinq, deux, deux. Quatre, cinq. Ça, je l'aime bien. Elle était rapide. Et ça, ouais, ça affiche du dégât quand même. Voilà. On équipe ça, et celle-là on équipera plus tard. Voilà. De toute façon, ça se trouve, on va encore avoir des d'autres compétences. Atreus. Colère du loup, mais voilà. Parfait. Trois, quatre. Ok.
Ok. Pour le moment, on est bon. Allez. On avait de l'XP à revendre. Hein. Et nous, on doit aller là. Et c'est là qu'il faut aller. Ici. Quinze minutes. Bien là. Non, c'est pas là. Ah non. Je me perds dans cette zone, hein, elle est immense. La petite barque. Parce que... Parce que quoi? Toute cette zone là, on avait fini. Il manque plus que les. Oui, les serres. Donc on a libéré le barrage. On a battu le gros gorille. Le dragon. On a exploré la zone là. Là, il y avait quoi? Je sais plus. Là, il y avait les. Les orbes, le boss. Puis il y avait des petits gugus. Des berserkers là. Voilà, c'est ici qu'il faut venir. Et là, il y a quoi déjà plus? Ouais, ça, on l'a déjà fait. Il y avait un coffre. Et là, il y a un boss. Tiens. Tiens. Allez. Aïe d'équipe. Vous savez, je regrette les gentils dragons de mon père. Et nous donc, Atreus, et nous donc. Ah, on a déjà visité de l'autre côté. Voilà. Ah.
je vais vivre et lever le coude à nouveau. Enfin, à Folkwanger du moins. Je vais enfin retrouver mon ami et me faire pardonner. Tu nous dois d'abord une histoire. Un combat comme je n'en avais jamais vu. Je me rappelle le fracas du métal sous le soleil. Thor, il maniait son marteau. Mais il était contré par une formidable hache. Et voilà. Cette hache était-elle aux mains d'une guerrière aux cheveux clairs ? Oui, c'est celle-ci. Elle brandissait cette hache avec une redoutable précision et bon force. Bah, paye, aucune hein. arme n'avait jamais rivalisé avec Mjolnir. Mais cette hache et cette guerrière, Thor livrait le combat de sa vie. Bon bah ça explique l'éclair, hein. C'est bien Faye qui a défié Thor dans cette vallée. Ce n'était pas un simple combat. On dirait que Mer écrasait Thor. Il semble que j'ignorais beaucoup de choses à son sujet. Et elle n'est plus là. Peut-être, mais son histoire ici n'est pas finie. Donc ça explique l'éclair. Voilà. Alors, l'amulette. C'est laquelle ? C'est laquelle ? C'est celle-ci. D'accord. Ouais, ça peut être bien aussi, ça. Tout peut être bien, en fait. Hein. Un autre cristal pour le bassin. Yeah. Donc ok, on a fini ce coin là. Ah, il y a un corbeau d'Odin encore. Puis il y a un coffre. Et dessert. Le dessert. Par contre, pour le trouver, ça va être un peu plus relou, je pense. Vu que la zone est assez grande. On va galérer pour trouver le corbac. Sauf si on a de la chance et qu'on passe à côté. Donc la zone, elle va de où? Ah ouais, elle fait tout ça, la zone, en fait. Elle fait tout ça. Ok, un coffre, une connaissance, un corbeau et les cerfs. Et hop là. Au-dessus, on est déjà allé. Le coffre, il est là. Merde. J'ai vu celui-là, mais pas l'autre. Il y a encore un truc de l'autre côté. Ah. Déjà, il y a un corbeau dans le coin. Ah, puis le coffre est de l'autre côté. D'accord, ok. L'oiseau est là.
Encore plus que 4. Hein. Par contre, comment ouvrir cette porte ? Ici, il y avait le combat. Et oui, c'est vrai que j'étais venu ici pour en pensant que c'était le la zone, mais non, on peut pas. Je parie qu'on peut entrer dans le camp de revenante. Voilà. Je vais déjà prendre ces lames là parce que c'est un coup appuyé sur triangle et rappeler la hache. Voilà, merci. Oh le bâtard. Oh merde. Non. Voilà, ce que je te dis, le vrai ennemi, c'est pas les ennemis, c'est le poison. Oh putain. C'est pas grave. Ça aurait pu être grave si c'était fermé, la porte. Voilà. Non mais le poison, je me fais jamais attention à ça. Voilà, je vais faire ça. Je vais le laisser ici, mâche. Ah non! Voilà, merci. Oh le bâtard. Et toc. Parfait. Ces séismes, on dirait qu'ils se sentent tranquilles quand ils meurent. Eh c'est oui. Bizarre. Ils attisent la haine. C'est le Cucus Clan. Non.
Je suis désolé. Alors. Ah. Et il est où le dernier? Où es-tu? Où es-tu? Ah bah il est là. Ah j'avais pas dit. Si c'était une pomme. Et voilà. Bon, on est bon, on a fini cette zone. Il reste juste le cerf. On va venir visiter ici, la pierre tombale là. Donc où sommes-nous? Voilà, parfait. Par contre celui-là il s'attise pas celui-là. Tout était au même endroit. Et voilà. Parfait. On va pas accoster ici. Ouh, c'est galère là. Oula. Un autre sur ta gauche. Oh, attention. Ouh. Le bâtard. Au-dessus, mon frère. À droite. Ah oui, mais à deux, ça va être un peu chaud. Non mais... Oh!
À ta droite. Derrière toi. Il est chiant. Calmer toi. Voilà, toi tu crèves. C'est le dernier. Bordel. Où est-elle passée? Elle reviendra. Les chasseresses disent Veneris Cathy. Mais elle tue sans raison. Scathy ne l'aurait jamais accepté. Non. Il y a une raison, même si nous ne la voyons pas. Elle revient, on peut pas la buter. Sale bait. Je m'attendais pas, en fait. Je pensais que j'étais cool, tranquillou. Tranquillou bilou, et ben non. Merci. C'est vrai que j'avais un coffre ici aussi. Eh oui. C'était ici le coffre. Il manquait deux bras zéro. Pas de bras zéro, pas de chocolat. Mais par contre, j'ai pas trouvé le coffre, je crois. Le coffre n'est pas là. Mais c'est pas maintenant. C'est après. À Vanheim, étrange. Quelque chose les provoque. Par où va-t-on? Est-ce qu'on va par là? On va peut-être aller de l'autre côté. Je vais peut-être visiter ça avant, non? Ouais. C'est plus petit. Bah c'est gros, ça a l'air d'être gros ça, hein. Il est où? Un repli stratégique, sage. Je crois savoir qui est cette chasseresse, mon frère. Zaz l'appelait la furie sauvage. Et pour quelle raison?
Des familles vannes entières s'étaient réfugiées dans cette jungle afin d'échapper aux As. Les Emeryars les ont cherchés, mais c'est la furie sauvage qui les a trouvés. Et tués, sans relâche. Jusqu'au dernier. Ils ont mal choisi leur jungle. Et sa retraite est stratégique. Ah, par contre, on a un truc ici. On n'est pas... Voilà, il y a le coffre ici. Voilà, bien joué le coffre. Il y a un truc ici. Non. Pas la bonne arme. Pas assez loin. Ah. Non. Voilà. Donc on en a deux. Ah, ici on peut pas y aller. Ah, elle est là. Ah, merde. Good. Est-ce plus beaucoup de cornes? Ça sent un gros boss, ça. Et ça, c'est pour remonter, on est d'accord? Oui, ok. Allons explorer. On ne sait pas où il est le bougre. Hein? Mais il a l'air bien gros, parce que pour faire vibrer la terre comme ça... Ah. Mais calmez-vous. Non. Poison de merde. Poison maudit. Eh ben. Je me fais dissocier le fiac. C'est bon, ça avait sauvegardé, oui. Et hop. Allez. Mais arrêtez votre poison de merde. Putain, on dirait des vieux spammers dans les multijoueurs là. Allez, cassez-vous. Allez, viens là, toi. Vas-y. Regarde ça, ces vieux spammers de merde. Allez, moi, je te crève.
Voilà, qu'on se crève. Voilà. Les flèches devraient la ralentir. Viens le fort. Allez, viens ici, toi. Elle s'est soignée, la sale bête. Bon, bah, viens ici parce qu'elle se soigne. Ouais, mais elle veut pas revenir. Viens! Ah mais là on rentre dans le poison là. Non. Voilà. Dégage. Voilà. C'était le dernier séisme, il me semble. Tu crèves maintenant. Ils sont en paix maintenant. S'il y en a d'autres, nous serons prêts. Ah, c'est salopard avec ce poison là. Les spammers du dimanche là. On veut pas jouer à Street Fighter contre eux. Hein. C'est le genre de connard à spammer Hadouken quoi. Donc là il y a un bateau. Les enseignements. Eh ben, il aimait pas trop les as. Les secousses, elles viennent de derrière cette porte. Trouvons un autre chemin. Bah ça donne envie d'y aller, hein. Ou pas. Ah, il y a un cerf. Donc là, je peux gruger et me TP directement de l'autre côté, c'est ça? Parce que là, techniquement, t'as pas le droit de te TP, là. Mais d'accord. Eh oui, techniquement, j'ai pas le droit, là. Donc, je peux gruger le jeu, là. Par là, c'est où? Est-ce que c'est le chemin? Ah non. Il y a encore une zone ici. Elle est grande cette zone, hein. Un vrai petit labyrinthe. Ah bah non, on peut y aller là. Je suis con. Bah oui. Non, je suis débile. J'avais pas vu le truc en haut. Donc non, on peut pas gruger le jeu, je me disais bien, c'est bizarre. Là, on peut y aller. Voilà. Le cerf de l'automne. J'espère juste qu'il va me suivre. Je touche du bois. Bois, tu l'as ? Hein ? Non ? Non ? Je t'ai vu, mon frère. Toi aussi, je t'ai vu. Alors, je croyais.
Wow. Eh bien, au moins il attaque quelqu'un d'autre que nous. Ça change. Au moins il a fait le ménage. Ah, j'ai rien dit. Oui, reviens. Il va nous cramer le fiac. Au moins il a tué le mec. Attention, dans les airs. On doit briser ce pilier. Très bien. Ah, je peux pas. Et avec ta lance? Voilà. Il faut aussi briser celui-là. Un autre dragon. On l'a repoussé pour l'instant. Mais on ferait mieux de le chasser où il revient. C'est la terre des dragons, hein. Il y a 10 000 chemins. Toujours dans l'abus. 10 000, quoi. Nous sommes près de la source. Voilà ces terres débarrassées d'une autre excroissance. Je sais que vous me voyez. Je t'écoute. 5 heures. Après que les As ont détruit le mien. Alors, que s'est-il passé? Je ne me souviens pas. Je sais que je voulais refaire ma vie. As-tu vu quelque chose qui puisse nous aider à trouver l'autre moitié de ton sablier? Il y avait 3 chutes d'eau. Je me souviens avoir souhaité vivre. D'accord. On doit pouvoir traverser. A-t-on regardé partout? Voilà, dégagez déjà, vous. Quelques cristaux, si nous passions au bassin. Okay. Ah, voilà. Ah,
Ah, il y avait un truc de l'autre côté, j'ai pas vu. Puis lui. Aoka. Gare à ma tête près de ces murs, mon frère. Ne suis-je pas toujours prudent avec toi? Oh si, tu es tellement délicat. Si une chose a détruit ce tunnel sur son passage, elle doit être grande. Grande ou petite, toutes les créatures ont un point faible. C'est calme tout à coup. Un peu trop. Il charge! Il est où? Combien? Pourquoi y a-t-il toujours un maudit dragon? Je change de flèche! Oh merde, trop tôt. Je pensais que c'était un autre monstre. Nous aurions dû anticiper la présence d'un tel monstre. Attends-toi toujours à l'inattendu, pas vrai? Espérons que ce soit la fin des tremblements. Quand nous en aurons fini avec cette vallée, il y fera peut-être bon vivre. Il ne reste plus beaucoup de dragons à présent. Qu'est-ce qu'on attend alors? Eh ben... Ah, on peut déjà ouvrir la porte. Déjà. Déjà, on va ouvrir la porte pour la raccourci. Et hop. Ça c'est fait. Ok. Donc ça c'est bouclé. Oui, on peut pas y aller. Il y a un truc là.
Ce cristal aurait besoin d'un bain. Tu crois pas? Un nouveau poème. Formidable. Où va-t-on ? Ici. C'est vrai qu'il est du feu, donc ça va rien faire contre lui. Voilà, merci. Avant d'aller plus loin, bah j'ai essayé de... Oh ! Je t'avais pas vu toi. Je l'avais pas vu, j'allais dire, avant d'aller plus loin, on va déjà essayer de brûler cette cette sale bête de plante. Cette sale bête de plante, oui. Juste trouver où elle est. Ok, un coffre, mais il est où le truc? Plus loin. Vas-y. On va désamorcer ça. Hein. Quand même étrange tout ça. Où est cette grosse plante? Ah! Voilà. Voilà, merci sale bête. On va déjà ouvrir ça. Ah. Est-ce qu'il y a un cristal là? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un coffre. Je ne t'ai pas oublié, l'ami. Voilà. Allez. Et hop. Ça, c'est bon. Ah, on est de retour ici? Bien. J'adore ce jeu, putain. Un cercle de culture. De l'argent? 310 000? Elle a l'air si fraîche. Mon frère, on devrait y jeter le petit. Hein? Pour développer un certain fumet, il faut le dire. Non, c'est faux. C'est faux. Hein? C'est la
naturel. Père. Ça me refume encore, la deuxième fois. C'est là-bas. Je me trompe à chaque fois. Donc on va revenir là. On va stepper dans la zone, l'autre. La partie qu'on n'a pas faite. Oui. Et on était où? On était là. Accès mystique, je sais plus si c'était là ou si c'était après. Ah bah c'est une... On va bien voir, hein. Si c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est là. C'était bien ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à explorer? Pas mal de choses en fait. Ah, il y a encore un truc là. Une pierre tombale. Là-bas, on était déjà allé, c'était fermé par une porte. Donc on va aller là maintenant. Et là, on a déjà fait. Oui, apparemment. Une goutte. Père, tu penses que j'aurai une barbe comme la tienne un jour? Non. Pourquoi non? Puis là, comment y va-t-on? On peut pas y aller là? Ah si, par là. Ok. Et par là, c'est ça? Oui. Tu as trouvé quelque chose à jeter dans le bassin? Ok. Il doit y avoir un autre ingrédient non loin d'ici, mon frère. C'est un ingrédient de la recette. Ah. Comment ont-ils atteint ce royaume? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. Oh, c'est bien. Là, on l'a déjà fait ici. On peut pas passer pour le moment. Moi, si on peut, mais pas de ce côté-là. Par contre, il y a des petits bugs hein, de ce genre, encore à patcher. Il
Il y a la barque. L'hôtel céleste, on verra ce qu'on en fait. D'autres fleurs. Comme ça, je dirais une rose étoile. Ok, donc la suite c'est par là-bas. Ah non, il y a le milieu déjà, c'est vrai. Est-ce qu'on a toute notre vie? Oui. Ah, puis une pierre tombale. Merci. Les arcs nous y attend sûrement. Est-ce qu'on la tente maintenant? Ce sera notre dernière action avant de me sauver, retaffer. On peut tester. On va voir ce que ça vaut. Aplanger le barbu. Pour l'air. Tire pas. Un violet. Ah merde, on peut pas l'esquiver ça. Mais bâtard! Tiens! Putain. Ah,
Allez, relâche. Ouf. Allez, prends la pierre. Non mais nique ta mère quoi. Tiens. Tiens. Après ce qu'ils ont fait. Il est du cul, hein. C'était un royaume paisible, plein d'artistes et de poètes. Mais il s'est effondré il y a bien longtemps. Et ces berserkers en sont responsables. Eux et leur maudit roi Rolf. Le peu de sang qu'il me reste bout, rien que d'y penser. Tu vivais là-bas? Savourons cette victoire et passons, je vous prie. Il n'est pas nécessaire que tu supportes seul ce fardeau. En réalité, c'est toi qui portes le poids de cette tâche. Laisse-moi m'occuper de la charge émotionnelle. Ah, il était hors de question. On va recommencer le combat. On a une pierre, autant s'en servir. Hein. Voilà. Par contre, peut-être qu'on va aller racheter une pierre quand même. Je ne sais pas où il était. Je crois que c'est peut-être celui-là. Je crois que Sindri est là. Non, c'est Brock. On a une pierre, autant s'en servir. Hein. Où est la porte? Ah. Il était où? Il était où? Ah, c'est tellement un labyrinthe. Des chemins, des chemins. Voilà, il est là. Un autre don pour le bassin. Allez. Et hop. Et de l'âme toute chaude. Parfait. C'est quoi qu'on va vendre? On va tout vendre. Hop. Et on va acheter quoi? Eh ben, quand tu veux. Et le petit? Non. Le balèze? Bah, autant prendre une pierre de résurrection de berserker, hein. Voilà. On a des pierres, on a du fric. On a du fric, autant s'en servir. Comment je me suis fait tabasser tout à l'heure? Voyez, en balançant mon attaque. Elle cancelle pas, celle-là. Puis bien sûr, fallait qu'il balance une attaque rouge à ce moment-là. Bien sûr. Donc cette attaque elle est bien, mais en fait non. Faut attendre. Je le saurai.
C'était où qu'il était C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est l'autre d'à côté. Je crois que j'ai fait de la merde. J'ai bien compris, Vanheim n'est pas aussi humide, normalement. Est-ce que c'est l'effet de Fimbulwetter ici? En grande partie, semble-t-il. Donc Midgard a eu la nuit et le froid, Svartalfheim les tremblements de terre, Alfheim les pulsations de la lumière, mais à Asgard, il ne semblait y avoir aucun effet perceptible. Odin a eu tout le temps de se préparer. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas remarqué de changement à Helheim et Muspelheim non plus. Les royaumes primordiaux semblent être moins touchés. Que penses-tu qu'il se passe à Jotunheim ? Comment je le saurais ? Eh bien, exerce tes capacités de supposition. Je ne sais pas. Si personne n'est là pour le voir, quelle importance ? C'est bien rattrapé alors qu'on y est, on y était allé. Donc oui, je me suis trompé. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, on est pas loin. Donc, Puis il nous faut le bateau. Je crois que j'avais des compétences avec Kratos pour les lames. Voilà. Je crois que je peux améliorer aussi un truc. Mais autant que je prenne celle-ci en fait. Ouais. Parce que celle-là... Elle est bien, mais tu te fais défoncer. Alors que celle-ci, tu peux attaquer. Voilà. Ok. Une fois que j'arrive au point, je m'arrête. Parce que je dois aller taffer. Ça va, une petite vidéo. Tranquillou. On a du fric maintenant, donc autant qu'on s'en serve, quoi. Pour acheter des pierres, hein. J'aurais pu me TP là, mais c'est pas grave. On était pas bien loin, donc en vrai... Donc on s'arrête ici... Moi, je reprendrai ce soir, normalement. On verra ce qui nous attend là-bas. Le dragon, hein, normalement. On a encore un coffre, un corbeau, un dragon. Une victime de guerre, donc ouais, et un cerf. Puis après, c'est vrai qu'il faudra encore qu'on fasse le cerf. Il y a encore pas mal de choses, hein. Grosse zone, quand même, hein, ce monde-là. On pensait qu'on est tout fait là, mais non. Grosse zone. Bien cool. Enfin bref, on s'arrête ici. À la prochaine. T'as rien à nous dire, Atreus? Ça te démange pas? Elle a rien à dire. Enfin bref, on s'arrête ici. On reprendra la prochaine fois. Salut! Tchuss!